Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'Umium et des 5 grains d'œufs, la comparaison entre les deux. Donc, je vais énumérer quelques points et vu ces points-là, si tu as ton mot à dire aussi, n'oublie pas aussi de me laisser ces détails en commentaire. Donc, vu l'évolution des 5 grains d'œufs, voilà, parce que des 5 grains d'œufs, c'est pas un lycée qui est hyper vieux, comme Allantis, comme l'Umium et autres. C'est un lycée, on peut dire il est récent, mais vu sa progression, je reçois vraiment beaucoup de messages dans ma boîte mail. Je vais faire ce type de vidéo. Donc, il y a beaucoup de vidéos comme ça que je vais réaliser. Après, on va faire Allantis. Après, on va faire Véry. Vraiment beaucoup de moteurs de rendu comme ça. Donc, au niveau de la comparaison, la première remarque que moi je vois au niveau de l'Umium d'abord, et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent, mais c'est vraiment très important, le prix. Vous pouvez voir ici le prix. Le prix de l'Umium, c'est vraiment hyper cher. Le moteur de rendu est vraiment très cher. L'Umium, la version standard, tu vas payer 54,8 euros le mois. Si tu veux prendre l'année, voilà ce que tu vas payer juste ici. 649. Donc déjà, à ce prix-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Voilà, ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir prendre un abonnement à ce prix-là. Voilà, ce n'est pas permis à tout le monde. Au niveau de... Ça, c'est la licence standard. Au niveau de la licence pro, tu vas payer 108,25 euros chaque fin du mois. Et au niveau de l'année, 1299, donc 1300. Voilà. Et qu'est-ce que eux-mêmes ils vous disent ici? Ils mettent le recommandé. Donc le recommandé, ils vous recommandent la licence pro. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque tu vas prendre la licence standard, il y a des trucs encore que tu ne pourras pas avoir. C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est deux licences différentes. Donc déjà, le premier problème de l'Umium, pour moi, quoi, je trouve que c'est beaucoup cher. Et cette licence, c'est sur un an. Voilà. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Si vous voulez prendre la licence d'un logiciel, c'est mieux de prendre la licence sur une année. La licence sur une année, c'est mieux que de prendre la licence sur 3 ans. Parce qu'avec l'Umium, on peut prendre la licence sur 3 ans. Regardez, lorsque je passe sur la licence de 3 ans, regardez, tu vas payer 49,97 par mois. Et sur la licence standard. Et sur la licence, comment je vais vous expliquer ça? Sur la licence pro, ici, tu vas payer 99,97 euros par mois. Et l'année, au niveau de la licence pro, 3600 euros. Au niveau de la licence standard, 1000 800. Donc, j'arrondis en même temps, quoi. C'est pourquoi je le dis comme ça. Donc, vous voyez, déjà, le prix, c'est vraiment un gros problème. On va partir au niveau de 2,5 grains d'œufs et vous allez voir le prix d'abord. C'est la même chose. Mais vous voyez, d'abord, avec 2,5 grains d'œufs, c'est vraiment une structure qui est vraiment très, très intelligente. Pourquoi? Parce que il te permet déjà de pouvoir télécharger le logiciel gratuitement. Voilà, vous voyez ici. Et avec la partie gratuite, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Vous voyez? Projet limité, matériaux personnalisés, édition environnement et post-production, outils d'animation et de chemin, rendu photo et panorama, rendu vidéo, vous voyez, tout ça, rendu vidéo, que de rendu widget, ça, tu n'auras pas ces deux-là. Déjà, avec le téléchargement que vous pouvez télécharger, le site gratuitement ici, tu peux faire déjà beaucoup de choses avec ça. Pourtant, c'est quelque chose que Lumion ne te permet pas de réaliser. Lumion, il te permet de pouvoir faire des téléchargements. Lorsque le logiciel sort, ou bien soit lorsque tu t'es inscrit sur le site, ils vont te laisser télécharger le logiciel une licence de 1 semaine, soit 2 semaines, des trucs comme ça. Une fois que le test est fini, tu ne pourras plus l'utiliser. Pourtant là, lorsque tu vas le télécharger, ça sera à vie. Maintenant, si tu es satisfait de ça, vous allez maintenant passer à la licence pro. Vous voyez la licence pro de 2,5 grains d'œufs pour l'année. Voilà ce que tu payes. 360 dollars. La licence pro pour 2,5 grains d'œufs pour le mois. Tu payes 38 dollars. Vous voyez déjà l'année 360 dollars, c'est faisable comparé à l'Umium qui est dans 1000 et quelques euros. Donc vous voyez déjà la différence entre les deux. D'abord le prix. Maintenant, une fois qu'on a fini avec le prix, maintenant on va attaquer la galerie photo. Je sais que c'est ce que beaucoup beaucoup de personnes attendent sur ma chaîne. Donc si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va parler aussi de Allantis, de Véry, de beaucoup de moteurs de rendu que on va prendre le temps de pouvoir réaliser des comparaisons ensemble. Voilà. Donc, on va maintenant se diriger sur la galerie. Je sais que beaucoup de personnes sont impatients pour voir qu'est-ce qui va se passer côté galerie. Donc, quand je parle de côté galerie, je parle de tout ce qui est rendu, des deux éléments. On va faire la comparaison entre les deux et vous allez aussi me donner votre point de vue. Voilà. Donc, on vient dans Lumium 2023. Ici, je me suis attaqué directement à la galerie de Lumium 2023. Donc, vous pouvez voir juste ici. Au niveau de Lumion 2023, lorsque... Voilà, la galerie, c'est les photos que des gens ont déjà réalisées, ils ont juste ajouté dans Lumion.
On va prendre des rendus intérieurs et après on va prendre aussi des rendus extérieurs de chaque côté. Donc au niveau de l'intérieur, je vais prendre plutôt celui-là. Ça, c'est au niveau de l'humium. Au niveau des dessins grinder, je vais chercher aussi sa galerie. Donc vous voyez, on va chercher la galerie de dessins grinder. Voilà, on est dans la galerie maintenant. Voilà, vous allez taper dessins grinder galerie et automatiquement vous allez avoir accès à la galerie de dessins grinder, les architectes, les ingénieurs, les personnes qui font de la décoration, les designers. Donc, vous pouvez laisser votre rendu, mais c'est des sélections. Verrez le faire aussi. C'est-à-dire, à chaque fois sur la page officielle de Verrez, souvent ils vont vous dire de montrer votre projet. Si le projet est performant, si le projet est hyper intéressant, ils vont poster votre rendu sur les pages. Donc, c'est des sélections en fait. Donc, je vais descendre ici, juste ici, vous allez voir. Et là, je vais sélectionner un rendu intérieur. Et ça, on a eu l'habitude de le voir sur beaucoup de vidéos de dessin grinder dans leur nouvelle mise à jour. Voilà, ce rendu-là. Pour ceux qui suivent vraiment les logiciels 3D, forcément, si tu suis les logiciels 3D, au niveau des dessins grinder, lorsqu'ils ont fait la mise à jour, vous avez vu des vidéos sur ça, des trucs comme ça. Donc, on va faire un peu un tour là-dessus. Donc, on va commencer par Lumium. On a fait d'abord une autre première sélection avec ce rendu intérieur. Dans l'ensemble, vous pouvez voir, si c'est posté sur la page de Lumium, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant aussi. Mais de ma part, lorsque tu regardes le rendu, pour ma part, je ne trouve pas le rendu trop réaliste. Franchement, je ne sais pas si c'est moi seul je le vois comme ça, mais je ne trouve pas le rendu hyper réaliste. Voilà, moi, c'est pas tout ce qui est décor, tout ce qui est, voilà, design, c'est pas ça qui m'intéresse. Je parle du côté réaliste. Voilà, la photographie. Je la trouve pas trop réaliste. Voilà, je pense que Lumium a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que, vu la progression des dessins grinder, regardez les dessins grinder, ils sortent, ils mettent la pression, ils ajoutent du ray tracing, Lumium aussi l'ajoute, mais on voit que dessins grinder évolue. Et met vraiment une grosse pression à Lumium, à Verre, à Enscape, à Twinmotion, à tous ces moteurs de rendu. Maintenant, ici, c'est le rendu intérieur de Lumium. Donc, vous aussi, donnez-moi les critiques que vous voyez sur le rendu intérieur de Lumium, sur cette photo. On va aussi sélectionner une autre photo. Donc, on va venir maintenant dans le rendu, de manière générale, dans le rendu intérieur du dessin grinder. Regardez, au niveau de ce rendu, moi personnellement, je trouve le rendu du dessin grinder. On va prendre le temps de prendre d'autres rendus encore. On ne peut pas se baser sur une seule image, mais on va prendre le temps de prendre d'autres rendus et on va voir. Je trouve ce rendu de dessin grinder plus réaliste que celui de Lumium, que celui de Lumium qu'on voit juste ici. Vous voyez? Je trouve ce rendu de dessin grinder plus réaliste. Vous pouvez voir, regardez. En termes d'éclairage, vous voyez, en termes d'éclairage, en termes de, voilà, je ne veux pas parler de design, je ne veux pas parler de décoration, mais moi je parle de tout ce qui est éclairage côté réaliste du rendu. Vous voyez ici, je sens le rendu plus que celui de Lumium que je vois juste ici. On va aussi sélectionner une autre image de dessin grinder, on va aussi avancer. Voilà, ici, on va prendre aussi, on va aller un peu. Voilà, ici, on va rester sur un rendu intérieur encore de dessin grinder côté cuisine. Donc, côté Lumium, je vais prendre encore le temps de chercher un autre rendu. Si je pouvais avoir un autre rendu côté cuisine, Lumium, je sais pas si j'en fais des rendus. Je vais voir si celui-là. On va prendre le temps de voir. On va attendre jusqu'à ce que ça charge. Donc, au niveau de dessin grinder, lorsque vous regardez, on voit que le moteur de rendu vraiment a hyper évolué. Et le rendu, il est hyper réaliste. Rendre un rendu réaliste, d'abord, ça va dépendre de celui qui réalise le rendu. Celui qui apporte plus de détails. Si ces rendus sont postés sur les pages de Lumium, ou soit les pages de dessin grinder, cela signifie que c'est des gens qui sont vraiment professionnels qui ont réalisé ce type de boulot. Donc, c'est pourquoi je prends la comparaison entre ces deux éléments-là. Donc, vous voyez, le rendu de cuisine de dessin grinder est hyper net. Tu sens la post-production, tu sens le côté réaliste du rendu, tu sens l'équilibre au niveau de tout ce qui est lumière. Tout est bien équilibré. On va venir sur Lumium. On va regarder. Bon, Lumium, je ne peux pas me baser sur ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de rendus qu'ils ont juste ajoutés dans la nouvelle version de Lumium. On va chercher un autre élément et on va comparer. Je pense, parce que là, vous voyez, on n'a pas de rendu de cuisine. À moins qu'on parte sur une autre version. Parce que là, c'est la version 2023. Mais au niveau des dessins grinder,
Ils ont ajouté vraiment beaucoup d'éléments dans la version 2000, dans la nouvelle version déjà. Donc, on va prendre ça. Ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent déjà des 5.2. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va revenir juste ici. On va comparer les rendus extérieurs. Les rendus extérieurs de Lumion et les rendus intérieurs et extérieurs sur des 5.2. Je vais prendre d'autres rendus extérieurs. Je vais prendre celui-là. Je vais cliquer sur celui-là. Ici, au niveau du rendu extérieur, aussi de Lumion, je ne trouve pas aussi ce rendu extérieur tout réaliste aussi. Je ne trouve pas ce rendu extérieur tout réaliste. Je vais vous montrer un rendu extérieur de 5.2. Regardez 5.2, regardez au niveau de tout ce qui est rendu extérieur. Regardez la qualité de l'image. Quand vous regardez, on sent le côté réaliste de l'image comparé à ce qu'on voit sur ce rendu fait avec Lumion. Je vais partir dans d'autres versions de Lumion. On va essayer de se diriger dans d'autres versions de Lumion parce que je pense qu'au niveau de la version 2023, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas encore ajouté. Donc, je vais venir dans la version 2012. Je pense que dans la version 2012 quand même, comme c'est une ancienne version, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont déjà ajoutés juste ici. Voilà. Donc, on va prendre le temps de regarder vraiment beaucoup de choses. On va chercher un rendu extérieur. Un rendu extérieur. Je prends le temps de regarder. Bon, je pense que la galerie de Lumion n'ajoute pas vraiment beaucoup de choses. Mais lorsque on regarde le rendu extérieur, je vais prendre celui-là. Je vais appuyer sur celui-là. Voilà. Franchement, celui-là, il est beau. Ce rendu extérieur, il est beau. Voilà, on sent le côté réaliste de l'image. Donc, ça peut être, par exemple, celui qui réalise le rendu. Mais de manière générale, lorsque on regarde D5 Render, lorsque tu regardes la photographie, c'est-à-dire l'image, le rendu, tu sens la différence. Tu sens vraiment que le moteur de rendu évolue. On va partir sur d'autres éléments, d'autres détails au niveau de D5 Render. On va prendre ce rendu. Voilà. Regardez le rendu. Vous voyez? Voilà. Ici, on ne cherche pas celui qui a fait. On parle du moteur de rendu. Donc, si le rendu est posté sur la page, cela signifie que c'est fait avec D5 Render. Donc, vous voyez la qualité de l'image. Vous voyez? Regardez l'éclairage même, l'équilibre au niveau de tout ce qui est éclairage. On va venir au niveau de Lumion. Ici aussi, c'est propre. Ce rendu aussi, il est vraiment très bien réalisé. On va chercher encore un autre rendu. On va prendre le temps de chercher encore un autre rendu côté Lumion. Un rendu où on peut bien voir beaucoup de trucs. Je vais remonter. On va prendre ce rendu. Voilà. Voilà un rendu qui a été réalisé avec Lumion. Et voilà un rendu qui a été réalisé aussi avec D5 Render. Lorsqu'on regarde les deux photographies, moi, côté décoration, au niveau de Lumion, ce que la personne a fait exceptionnel ici. Mais moi, je ne parle pas de tout ce que l'autre a fait et autres. Je parle de l'image. Lorsque tu regardes l'image, tu sens que l'image n'est pas encore réaliste. N'est pas beaucoup réaliste. Ça se sent. Mais regardez l'image attentivement. Regardez même au niveau de l'éclairage, des trucs comme ça. Mais lorsque tu vas voir côté D5 Render, regardez, tu sens la différence au niveau de tout ce qui est éclairage de la photo. On sent son côté réaliste. Ça se sent directement sur l'image. Vous voyez? Ça se sent directement. Donc, on va prendre le temps de sionner d'autres rendus au niveau de D5 Render. On va prendre encore un rendu intérieur. Regardez au niveau de D5 Render, au niveau de tout ce qui est rendu intérieur. Ça se sent. On sent que le logiciel a vraiment progressé. Et c'est un logiciel dans le futur, même actuellement, qui est vraiment déjà bon, mais dans le futur, qui va encore plus progresser. Moi, franchement, si je devais tirer ma conclusion et choisir un moteur de rendu entre Lumion et D5 Render, personnellement, moi j'allais choisir D5 Render. Mon choix, c'est D5 Render. Parce que déjà, qualité-prix, le prix n'est pas aussi cher. Qualité-image, il te fait déjà sortir quelque chose qui est hyper propre, hyper exceptionnel. Donc, moi, pour mon vote, je vais choisir directement D5 Render. Mais, cela ne veut pas dire que D5 Render est au-dessus de Lumion. Pour le moment, si je devais tirer une conclusion entre les deux, je pense que Lumion surpasse encore légèrement D5 Render. Juste légèrement. Mais c'est à Lumion de beaucoup travailler. De beaucoup travailler parce que s'ils ne font pas encore beaucoup de travail, ils ne travaillent pas beaucoup, ils ne mettent pas encore beaucoup de trucs sur leur moteur de rendu, ils risquent de perdre beaucoup de clients. À cause de ce moteur de rendu, Lumion risque de perdre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients.
Donc voilà un peu ça. Vous avez vu, on a pris le temps de comparer les rendus de Lumium. On a eu le temps de comparer les rendus de D5 Grindr. Voilà, vous voyez que la différence, elle est là. Lorsqu'on a comparé les deux rendus, je pense que D5 Grindr est en train de prendre du terrain. Est en train de gagner vraiment beaucoup, beaucoup de terrain. Donc, si Lumium ne fait pas attention, je pense que dans quelques mois ou quelques années, D5 Grindr va le détrôner. Mais pour le moment, Lumium, pour moi, est toujours là. Reste toujours le maître du jeu pour le moment. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et aussi ma nouvelle chaîne de Devi parce que beaucoup de personnes me disent que se sont abonnés sur la chaîne pour pouvoir aussi des vidéos de Devi que je réalise. Donc, il y a une nouvelle chaîne de Devi qui est juste en description. Si tu es intéressé, tu peux cliquer là-dessus aussi et t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!